là, madame, monsieur, amitié spectateur à la main verte, je me fraye un chemin dans ce jardin qui n'a plus été entretenu depuis 1984. Allez, au sommaire, Bérangère est de retour avec un nouveau montage digne de la troisième maternelle, ça c'est d'une part, et d'autre part, nous aurons également Francis, qui ne ménagera pas ses efforts pour jouer son rôle habituel de somnifère ultra puissant. Que voulez-vous, c'est l'avant-dernière émission de l'année, l'équipe est sur les genoux, vivement mes vacances dans la vallée de la Semois comme chaque année. On fait camping avec Bobonne, on se repose, et au bout de deux jours, j'ai déjà envie de rentrer à Barvaux, mais sans Bobonne. Enfin, soit, il est temps maintenant de retrouver Francis. À toi, Francis. Chers amis, regardez cette branche rebelle, elle est merveilleuse, elle se dresse vers le ciel fier et robuste. Vous vous dites que c'est parce que je la retiens. Eh bien, hop, elle tient toujours. Et pour vous prouver qu'il n'y a pas de trucage, un plan large, j'adore les plans larges. Revenons plus près maintenant pour expliquer ce phénomène rarissime. C'est un secret que je connais depuis que je suis haut comme trois hommes, trois petits hommes. Alors je vais vous révéler. Hop, Francis, que je te coupe. Tant qu'à révéler un secret, essaye un peu de m'expliquer pourquoi toutes mes tomates restent vertes. C'est en kikinant, à la fin. Regarde, tous mes plans, c'est comme ça. J'en ai même qui sont devenus jaunes. Des tomates jaunes, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Levez la main tous ceux qui veulent une tomate jaune, elles sont ici. Eh bien, personne n'en veut. Enfin, soit, retrouvons tout de suite Bérangère, qui est notre petit rayon de soleil à nous. Vas-y, ma grande, on est comme des chats affamés devant un bol de friskies. On te regarde. Ah, bonjour à tous, il fait beau, et rien que pour ça, moi je dis bravo. Il y en a des fleurs qui bourgeonnent. Comme moi, vous demandez ce qu'on peut en faire. Ben moi, j'ai trouvé. Mais d'abord, on les renifle, parce que ça pue. Allez, on va faire des gouttes de Michel végétal. Changement de déco. D'abord, on réunit tout le matériel. Alors, c'est un ciseau, une pince coupante, et évidemment des rubans. Plein de rubans. Vraiment tout plein de rubans. Trop de rubans. Et enfin, bien entendu, des lavandes. Alors d'abord, on fait des belles tresses avec les lavandes et le ruban. Pas facile, faut bien se trouquer. Alors normalement, ça doit donner ça, mais ici, ça ne donne rien. Bref, on démêle la file. Ça doit donner un bel ensemble de tiges et de rubans. Le but, c'est que ça ressemble le plus possible à Bougot Michel. Mais pour terminer la touche finale, on va faire un beau petit nœud. Coupé avec un ciseau, ça vous fera un beau cadeau pour un baptême ou une communion. Alors j'en ai fait toute une ribambelle, il y a même un rose parce qu'il faut de toutes les tailles. On peut les déposer discrètement sur un gros livre, on peut même les mettre sécher sur un essouet. Mais alors si on fait ça, il faut pincer, je ne sais pas pourquoi. Bref, un bel objet de plaisir avec un beau ruban que je vais cligner des yeux. J'ai fini. Allez, plus qu'une seule émission et après, promis, je vous fous la paix pour toutes les vacances. Madame, monsieur, au revoir.